Identifiez adéquatement vos boîtes de Petri. Dans un champ stérile, à l'aide d'une pipette ou d'une micro-pipette, prélevez et déposez 0,5 ml ou 500 microlitres de chacune des dilutions sur une gélose préalablement identifiée. Prenez l'étaleur qui se trouve dans le bécher d'alcool et passez-le dans la flamme rapidement. Maintenez l'étaleur en position légèrement inclinée dans le champ stérile jusqu'à ce que la flamme s'éteigne. Attendez quelques secondes que l'étaleur refroidisse avant de le passer sur la gélose de façon à étaler l'inoculum sur toute la surface. Replacez l'étaleur dans le bécher d'alcool. Laissez la gélose absorber l'inoculum avant de retourner les boîtes de Petri et de les envoyer à l'incubation. Répétez pour chacune des dilutions et changez de pipette ou d'embout de micropipette pour chaque dilution. Thank you.